Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission en direct et le débat. Aux États-Unis, le Congrès a autorisé les familles et les proches des victimes du 11 septembre 2001 à poursuivre l'Arabie Saoudite en justice. Désormais, les familles des victimes, les proches des victimes pourront avoir cette possibilité de traduire en justice l'Arabie Saoudite pour les attentats terroristes du 11 septembre 2001 afin d'obtenir des indemnisations. Sachez que 15 des 19 auteurs de ces attentats terroristes étaient saoudiens, de nationalité saoudienne. Il y a eu également un rapport qui a été déclassifié il y a un certain temps qui faisait état des liens entre, si vous voulez, ces agents saoudiens qui étaient présents aux États-Unis avec les auteurs des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Pour le moment, la Chambre des représentants a voté à l'unanimité cette loi pour autoriser les familles des victimes à aller dans ce sens. Et cette loi avait été adoptée il y a 4 mois par l'ensemble des sénateurs américains. Le président américain Barack Obama avait déjà menacé, apposer son veto, mais la tâche ne s'annonce pas facile désormais pour le président américain Barack Obama. Pourquoi ? Parce qu'il faut 2/3 des élus américains pour révoquer le veto de Barack Obama. L'ensemble des sénateurs a voté pour cette loi. Cette loi a été votée à l'unanimité à la Chambre des représentants. La tâche s'annonce difficile pour Barack Obama et l'Arabie Saoudite se trouve désormais dans la tourmente. On va vous en parler dans le cadre de l'émission en direct de ce soir, le débat, avec plusieurs invités. Avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. La Chambre des représentants, chambre basse du Congrès des États-Unis, a voté vendredi une loi autorisant les familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001 à réclamer en justice des dommages et intérêts à l'Arabie Saoudite, rapporte la presse américaine. Les partisans de la nouvelle loi espèrent qu'elle permettra de faire toute la lumière sur la responsabilité de l'Arabie Saoudite dans les attaques terroristes du 11 septembre 2001 à New York et Washington. Les opposants de la loi estiment qu'elle risque de nuire aux relations entre Washington et Riyad, partenaire stratégique des États-Unis au Proche-Orient, et de déboucher sur des représailles de la part du royaume wahhabite. Le New York Times écrivait en mai que selon certaines informations, les autorités saoudiennes avaient menacé de vendre leurs actifs aux États-Unis pour 750 milliards de dollars en cas d'adoption de cette loi. 15 des 19 auteurs des attentats du 11 septembre à New York et Washington étaient saoudiens. Une commission du Congrès américain a rendu public en juillet un passage longtemps resté secret du rapport d'enquête officiel de 2002 sur les attentats qui examinait d'éventuels liens entre les auteurs des attaques qui ont fait près de 3000 morts et les autorités saoudiennes. Ces attentats ont été revendiqués par le réseau terroriste d'Al-Qaïda. Selon le rapport, les services secrets américains disposeraient aussi de données selon lesquelles des personnes considérées aux États-Unis comme ayant des liens avec le gouvernement saoudien seraient aussi liées avec le réseau Al-Qaïda. Al-Qaïda et d'autres groupes terroristes. Merci infiniment d'avoir choisi cette émission en direct, le débat consacré, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, à cette autorisation donnée par le Congrès américain aux familles et aux proches des victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001 pour poursuivre en justice désormais l'Arabie Saoudite. Pour vous en parler, j'ai plusieurs invités avec moi ce soir. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission en direct depuis Los Angeles un expert en relations internationales, monsieur Philippe Assouline. Monsieur Assouline, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir.
J'ai le Merci à vous. plaisir et l'honneur également d'avoir avec moi pour cette émission en direct depuis Londres, Madame Catherine Chacdam, directrice de programme pour Shafaknar, spécialiste des questions internationales. Madame Chacdam, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Madame Chacdam, si vous nous le permettez, cette fois-ci, on va commencer notre émission en direct avec notre invité depuis Los Angeles, c'est parce que c'est pour la première fois que M. Assouline participe à notre émission en direct, le débat. M. Assouline, comment commentez-vous, comme première question, cette autorisation donnée par le Congrès américain aux familles des victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001 pour poursuivre en justice des États étrangers, en l'occurrence l'Arabie saoudite, s'il vous plaît? En ce qui a trait à l'Arabie saoudite, je supporte le droit des victimes et de leurs familles de poursuivre en justice, que ce soit le gouvernement saoudien ou des individus saoudiens. Le plus de transparence qu'il y a, le mieux ça sera pour tout le monde de comprendre les liens entre les gouvernements au Moyen-Orient et le terrorisme. J'espère seulement que ça ne se limite pas juste à l'Arabie saoudite. Les enquêtes américaines ont révélé que l'Iran, le gouvernement iranien, a des liens beaucoup plus étroits que le gouvernement saoudien avec Al-Qaïda. Et depuis avant le 11 septembre. Donc j'espère que tous les partis qui sont responsables ou qui ont un lien avec Al-Qaïda seront exposés. Madame Chacdam, venez en fait d'entendre l'explication de M. Assouline. Là, on parle en fait de cette loi en fait, du Congrès américain pour permettre en fait aux familles des victimes de traduire en justice l'Arabie saoudite très particulièrement, mais selon M. Assouline, il faut en fait s'élargir cela à d'autres États du Moyen-Orient, d'autres pays du Moyen-Orient. M. Assouline qui parle également des liens de la République islamique d'Iran avec Al-Qaïda. Je trouve ça très intéressant parce que si en effet l'Iran avait une main dans l'attentat du 11 septembre, j'imagine que les États-Unis et d'autres pays occidentaux auraient vraiment aimé pouvoir déclarer la guerre à l'Iran. Ce n'a pas été le cas, ce qui prouve, je dirais, que pour ça fait maintenant 15 ans, il n'y a vraiment jamais eu de preuves pour pointant vers l'Iran. Si ça avait été le cas, je pense que beaucoup de médias en auraient parlé, beaucoup de journaux et de commentateurs en auraient parlé, je dirais, à corps et à cri. Ça n'a pas été le cas. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de pointer le doigt à l'Iran ou à la Russie ou à je ne sais trop quoi. Maintenant, l'idée que l'idéologie qui est le wahhabisme, qui est associée à Al-Qaïda et à d'autres groupes terroristes dans le monde, et l'Iran sont vraiment on ne peut même pas les mettre dans une même phrase. Donc je trouve ça complètement imbécile, et vous m'excusez de l'expression, de vouloir associer le wahhabisme qui continue à porter l'idéologie d'Al-Qaïda et, comme j'ai bien dit, Daesh et d'autres, et l'Iran. C'est complètement imbécile. C'est même, je dirais même que c'est criminel, parce que c'est vraiment, c'est une espèce d'atteinte à l'intégrité de l'Iran qui est vraiment inutile. Merci. On va partir tout de suite de nouveau encore à Los Angeles pour retrouver de nouveau M. Assouline. M. Assouline, s'agissant toujours en fait, revenons à nos moutons et parlons de cette loi qui a été adoptée à l'unanimité par le Congrès américain. L'Arabie saoudite a désormais de quoi s'inquiéter, M. Assouline. Si elle a de la culpabilité, si le gouvernement a des liens directs avec cet attentat, oui, et donc c'est bien. J'espère que les familles pourront poursuivre le gouvernement en justice à bonne fin et que elle soit indemnisée par ce gouvernement. Mais je voudrais répondre à votre autre invité. Ce n'est pas moi qui dis qu'il y a des liens entre l'Iran et Al-Qaïda bien avant le 11 septembre et après. Ce sont les journaux américains basés sur l'enquête du gouvernement américain, la même enquête qui a trouvé des liens avec l'Arabie saoudite, sauf plus étroits avec l'Iran. Et l'Iran a plusieurs fois dans l'histoire s'est allié avec des groupes wahhabistes ou sunnites comme le Hamas. Donc ce qu'elle dit est tout à fait ignorant de la réalité. Merci, Madame Chacdam. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les mêmes enquêtes que vous citez. Merci, Madame Chacdam. Là, Monsieur Assouline parle en fait des journaux américains qui font état, selon lui, de ces liens entre
l'Iran et Al-Qaïda, selon lui. Monsieur Assouline parle en fait de Pas selon ces moi. journaux et donne de la validité à ces commentaires, mais apparemment, Monsieur Assouline ne veut pas en fait tellement accorder une telle légitimité à ces lois votées par le Congrès américain. Pour moi, encore, C'est pas vrai. je comprends plus, je comprends pas votre position parce que, si vous voulez, d'une façon, vous dites que vous supportez les familles des victimes dans leur, ce qu'ils veulent, c'est vraiment ce qu'ils recherchent, c'est la justice. Tout à Je fait. pense que ils ont droit à demander justice. Maintenant, l'Arabie Saoudite, on sait très bien, continue à supporter le terrorisme à travers le monde. C'est même plus une question ce ne sont pas des allégations, c'est un C'est fait, vrai. c'est une réalité qui a déjà été prouvée par la Russie, par l'Iran, par beaucoup de pays. Mais on a vraiment juste à regarder la Syrie, l'Irak et le Yémen pour comprendre ce que le wahhabisme représente, ce que le wahhabisme veut imposer, pas juste au Moyen-Orient, mais dans le monde en général. Maintenant, pour parler de l'Iran, de son association avec le terrorisme, le wahhabisme, encore, je refuse ça. Et je refuse cette association qu'on a faite avec l'Iran, parce que si c'était le cas, et si on retourne encore à 15 ans, c'était George W. Bush qui a dit que c'était Al-Qaïda, c'était l'Afghanistan, après ça a été l'Irak, après ça a été la Syrie, après ça a été le Yémen. On ne sait plus choisir, hein. On ne sait plus qui est vraiment derrière Al-Qaïda. Et à présent, maintenant qu'on parle de l'Arabie Saoudite, il y a une espèce de désir de vouloir tourner, encore pointer le doigt à quelqu'un d'autre, parce que l'Arabie Saoudite est un, je dirais, un grand ami des États-Unis et d'autres pays occidentaux à travers le monde, parce que l'Arabie Saoudite a des milliards de dollars à investir dans les journaux, dans beaucoup de télévision, etc. Madame. Et bien entendu, on ne peut pas parler de l'Arabie Saoudite et critiquer l'Arabie Saoudite parce que ça serait un crime de lèse-majesté. C'est vraiment le cas aujourd'hui, donc je suis désolée, Merci. mais je refuse votre attaque Madame sur Chakhtin, l'Iran. permettez-nous d'avoir également la réaction avant de partir à Damas. Nous aurons un autre invité pour l'émission de ce soir, mais j'ai gardé en fait des surprises pour le moment. Avant de partir à Damas, permettez-moi de poser également cette question à Monsieur Assouline. Monsieur Assouline, vous venez de le dire, en fait, selon des journaux américains, il y a des liens entre l'Iran et Al-Qaïda. À part, en fait, ces commentaires donnés par des journaux américains, selon vous, est-ce que vous-même, en tant qu'analyste et spécialiste, est-ce que vous avez des preuves à votre disposition qui indique en fait cette hypothèse que vous venez d'avancer selon laquelle l'Iran a des liens avec Al-Qaïda. Il y a une lettre d'Osama Bin Laden qui a été relâchée en 2007 ou publiée en 2007, et il le dit lui-même. J'ai les mêmes preuves que vous avez, vous. Je suis tout à fait d'accord avec l'autre invité que l'Arabie saoudite commet des torts atroces, supporte des groupes terroristes horrifiques au Moyen-Orient, mais je ne veux pas que la justice soit sélective. Votre preuve, quand ça vient à l'Arabie saoudite, ce sont les enquêtes du gouvernement américain. C'est ce qu'on a relâché, et c'est ce qu'a trait la loi dont vous Non, parlez. La vous-même, même Monsieur enquête a dit qu'il Assouline, y avait des vous-même. liens étroits avec l'Iran. Monsieur Assouline, vous-même, en tant que Moi, j'ai spécialiste accès aux mêmes canaliste, preuves que est-ce que vous vous. avez des Je preuves à votre ne suis disposition? pas espion. Ah, là, vous vous Je ne suis appuyez pas sur. espion. J'ai les mêmes Non, mais preuves que vous je suis quant à l'Arabie désolée, mais saoudite. Je une lettre m'appuie sur d'Osama Bin l'enquête. S'il Laden, vous plaît, n'est laissez-moi pas clarifier. Ce n'est pas une recevable. lettre. Je vous en prie, Monsieur Assouline, s'il vous Je plaît. parle de l'enquête que vous-même. L'enquête que vous-même citez pour attribuer du blâme à l'Arabie saoudite, que je suis avec vous, la même enquête parle des liens avec l'Iran. Je n'ai aucune preuve personnelle, Dieu merci, je ne suis pas impliqué dans le monde ni de l'espionnage ni du terrorisme et je veux que ça reste de cette manière. J'ai accès aux mêmes documents qui ont été faits publics. Je suis expert parce que j'étudie ça à un niveau doctoral et je me verse sur les documents. Je Madame n'ai pas Chakhtin, accès à d'autres preuves merci. que Madame celles que Chakhtin, vous votre mentionnez réaction, vous-même. s'il vous plaît. Non, mais je trouve ça très intéressant. Je suis d'accord dans le sens que oui, on peut vraiment que se baser sur les preuves qui ont été données. Cela dit, encore, si l'Iran vraiment était coupable, j'imagine que les États-Unis auraient déclaré la guerre à l'Iran il y a très longtemps parce que les États-Unis cherchent une excuse pour Alors pourquoi ils déclarer n'attaquent la pas guerre l'Arabie à l'Iran. saoudite? Donc, oh, non, je suis en train de suivre une certaine logique américaine ici. Je suis désolée si ça ne vous plaît pas, mais c'est la réalité. Et en fait, si l'Iran avait été coupable, j'imagine que 15 ans après, on en aurait parlé vraiment avant.
Il faut quand même être clair à ce niveau-là. La seule raison, pourquoi ça nous a pris autant de temps de parler de l'Arabie Saoudite maintenant, ça a pris 15 ans quand même, c'est parce que l'Arabie Saoudite a versé des milliards et des milliards de dollars au gouvernement américain et que les politiciens américains se sont assis sur les preuves. Les documents ont été rédactés. Il y a 28 pages qui ont manqué pendant Merci. 15 ans. Donc me dites Merci. pas, ne parlez pas de preuves, Merci s'il vous beaucoup, plaît. mes chers invités de l'émission de ce soir depuis Los Angeles et Londres. On va partir maintenant tout de suite à Damas pour rejoindre M. Thierry Meyssan, président fondateur du réseau Voltaire, l'auteur de deux livres très très célèbres et importants dans ce domaine, Impitoyable, Imposture et Pentagate. Monsieur Meyssan, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous au téléphone pour cette émission en direct depuis Damas. Bonsoir, Monsieur Norostine. Monsieur Meyssan, vous étiez le premier à remettre en doute, en cause, la version officielle présentée par la Maison-Blanche en ce qui concerne les attentats du 11 septembre 2001. Demain, le monde va commémorer le 15e anniversaire de ces attentats terroristes. Et il y a 2 jours, il y a eu cette loi du Congrès américain qui permet en fait aux familles, aux proches des victimes de traduire en justice l'Arabie saoudite. Votre réaction, M. Meyssan, s'il vous plaît. Ma première réaction, c'est que les États-Unis sont toujours un État voyou puisqu'ils se proposent de violer le droit international et de poursuivre en justice un État. Bon, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que cette décision des États-Unis n'a aucun rapport avec le 11 septembre lui-même. C'est en fait un chantage qui est exercé via le Congrès par le gouvernement des États-Unis contre l'Arabie saoudite parce que l'Arabie saoudite avait menacé il y a quelques mois de retirer ses investissements financiers des États-Unis si les États-Unis négociaient une paix générale avec la Russie dans le Grand Proche-Orient. Donc, ce que les États-Unis ont décidé de faire, c'est simple, on autorise des actions en justice contre l'Arabie saoudite, ce qui, encore une fois, est illégal en droit international, et lorsque les États-Unis, Absolument pas. les Saoudiens menaceront de retirer leurs investissements à nouveau, eh bien, on bloquera l'ensemble de ces investissements à titre conservatoire, le temps de juger, ça peut durer des années. C'est exactement la même chose que les États-Unis ont fait vis-à-vis de l'Iran, où d'un côté ils ont négocié avec l'Iran la levée de sanctions, et d'un autre côté ils ont condamné l'Iran dans une parodie de justice, et de cette manière, à titre conservatoire, ils ont bloqué l'argent qu'ils avaient officiellement débloqué. Alors tout ça, on joue sur la différence entre le Congrès et la Maison-Blanche, mais tout le monde sait que c'est la même chose. Monsieur Meyssan, une dernière question, parce que je sais que vous avez un empêchement et vous avez eu la gentillesse quand même de participer à cette émission en direct. Vous voulez dire que là aussi, les États-Unis jouent un double jeu, d'une part, et en fait, il y a eu cette loi qui permet en fait aux familles de victimes de traduire en justice l'Arabie saoudite, mais d'autre part, quand même, il y a des liens très très étroits entre Washington et Riyad, et les autorités américaines savent mieux que toute autre personne qui était derrière les attentats du 11 septembre 2001. Bien sûr qu'ils le savent, et ils le savent depuis le premier jour. Hein, ça n'a rien à voir, c'est cette loi et cette menace lancée vis-à-vis de l'Arabie saoudite n'a aucun rapport avec la réalité. C'est juste une manière de tenir en laisse leurs alliés saoudiens. Merci beaucoup Thierry Meyssan, écrivain et journaliste français, d'être avec nous pour cette émission en direct depuis Damas, capitale syrienne. On va maintenant partir tout de suite de nouveau à Los Angeles et à Londres pour retrouver nos chers invités de l'émission de ce soir, Monsieur Philippe Assouline et Madame Catherine Chactam. Monsieur Assouline, vous venez le dire, pourquoi les Américains n'attaquent pas l'Arabie saoudite, par exemple, militairement? Mais quand même, Monsieur Assouline, il y a eu ces derniers temps des critiques très ouvertes qui ont été faites par des autorités américaines, en l'occurrence Joe Biden, vice-président américain, à l'encontre de leurs proches alliés, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Turquie, en ce qui concerne le soutien apporté aux groupes terroristes.
Et je crois que ce sont des critiques qui sont très dues. Il y a une relation qui change avec les grandes puissances sunnites au Moyen-Orient. Je crois que c'est bien. L'Arabie saoudite et la Turquie ont supporté des groupes horribles, en l'occurrence même Daesh. Par contre, je ne crois pas que la justice peut être sélective. Et l'Iran, d'après la même enquête, a des liens beaucoup plus étroits. J'aurais espéré que cette justice s'apporte à tous les pays qui supportent le terrorisme dans la région. On disait plutôt qu'il y aurait eu une guerre, mais ce n'est pas le cas. Les Américains ont choisi, sous Barack Obama, Est-ce que de détendre Monsieur leurs liens, Assouline, disons, au Moyen-Orient et de se rapprocher de l'Iran. d'accord, Monsieur Oui, Assouline, est-ce que vous pardon? pouvez nous donner un exemple comme quoi l'Iran apporte son soutien au terrorisme dans la région? Alors, au terrorisme dans la région, déjà, il y a le support du Hamas qui est ouvert, il y a le support du Hezbollah qui est ouvert. Mais si on veut parler spécifiquement d'Al-Qaïda, depuis les années 90, selon cette enquête publique américaine que tout le monde peut accéder, il y a un rapport depuis les années 90, un entraînement qui a mené aux attaques en Afrique en 1998, qui a donné un asile aux planifieurs du 11 septembre après les attentats en Iran, qui a aidé dans des attentats en Arabie saoudite en 2003, au Yémen en 2008, je crois. Il y a une lettre de Osama Ben Laden en 2007 qui dit ouvertement qu'il y a un lien. Que vous vouliez le croire ou pas, je vous donne les preuves qu'il y a dans cette enquête, qui sont On va. beaucoup plus considérables que les preuves vis-à-vis de l'Arabie saoudite. Madame Catherine, vous voyez, Monsieur Assouline met dans le même rang la résistance libanaise et Oui. Al-Qaïda, premièrement. Il a également mentionné un autre cas qui me semble très, très intéressant. Par exemple, le Yémen, ce qui se passe au Yémen, vous savez, le pays qui fait l'objet quand même d'une guerre d'agression. Votre réaction, s'il vous plaît. Oh, ma réaction, votre invité est en train de pointer directement à la résistance du Moyen-Orient. Donc, maintenant, si vous voulez appeler un mouvement de résistance comme le Hezbollah ou comme les Houthis au Yémen et les déclarer comme des terroristes, bon, c'est votre problème. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec vous parce que j'estime que chaque pays a le droit de défendre son territoire et ses frontières. C'est ce que le Hezbollah a fait En contre l'État Syrie? d'Israël. C'est ce qui s'est passé. Ben oui, je suis désolée, la Syrie a demandé l'aide du Hezbollah. Hezbollah a répondu. La même chose s'est passée avec la Russie et l'Iran. Encore, la Syrie est un État souverain et la Syrie a le droit de faire ce que la Syrie veut, étant donné que la Syrie est attaquée de tous côtés par Daesh, Al-Qaïda, Al-Nusra. Mais il y a beaucoup de groupes terroristes qui ont tous été financés par l'Arabie saoudite et la Turquie et Qatar. Mais il y a beaucoup de pays qui ont été complicites dans ces guerres qui ont pris place en Irak, en Syrie, au Yémen, Bahreïn. Il y a beaucoup de pays que je pourrais vous citer hein, quand on parle du wahhabisme. Alors maintenant, votre idée que l'Iran a supporté des espèces d'organisations terroristes qui ont un lien avec le wahhabisme, Ce encore, je n'est pas dirais, mon idée. le mot. Non, mais vous êtes en train de faire allusion à une espèce d'alliance entre l'Iran et le wahhabisme. Alors je suis désolée, c'est complètement imbécile. Je ne fais J'insiste pas sur le mot d'allusion, je cite imbécile. Non, directement une enquête que mais non, vous avez mais non. citée. Ce que vous êtes en train de faire, non, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'essayer de tirer des conclusions qui n'existaient pas, en train d'essayer de créer une réalité qui n'existe pas. Parce que si vous payez attention à ce qui se passe en Arabie Saoudite, Riyad, il y a Elle quelques jours, existe. a déclaré l'Iran comme étant un État non musulman. Alors l'idée simple que l'Iran et le wahhabisme seraient en alliance est complètement impossible. Okay? Parce que idéologiquement et même sur un Sauf que plan, je veux c'est dire, une vrai et ça a morale été et admis éthique, par l'Iran. l'Iran est complètement opposé au wahhabisme. L'Iran est même le seul pays dans la région, et je suis en train de parler du monde islamique, qui est en train de lutter contre Daesh et Al-Qaïda et le reste. Donc je suis désolée, non, l'Iran Merci est le seul beaucoup. pays qui a C'est répondu à faux. l'appel Merci beaucoup, Madame Catherine. Madame de l'Irak, du Catherine. Yémen. Alors ne me parlez pas de l'Iran, c'est complètement imbécile ce que vous dites maintenant. Merci beaucoup. Madame Catherine Chakdam, directrice Sauf de que c'est programme vrai. pour Shafakna, spécialiste des questions internationales. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission en direct depuis Londres. Mes vifs remerciements vont également à M. Philippe Assouline, expert en relations internationales, qui était avec nous pour cette émission depuis Los Angeles. Mais M. Philippe Assouline, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce soir. Pour l'Iran, le wahhabisme n'est pas l'islam. Le wahhabisme est contre l'islam, M. Assouline. C'est la fin de l'émission en direct de ce soir. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et à tous une excellente soirée et je vous dis au revoir à très bientôt.